Bonjour à tous, ce week-end nous sommes partis au lac de Sanguinet à côté de Biscarros. Après un bon café au réveil le matin, nous voici partis pour faire du vélo et j'en profite pour vous montrer nos deux vélos pliants électriques qui nous permettent de visiter beaucoup de villes. Comme vous le voyez ici, ça n'est pas forcément facile de mettre les deux vélos dans la soute, mais ça le fait quand même. Donc chaque vélo est plié, les batteries de ces vélos sont dans le cadre, et vous voyez que pour les mettre en marche, ça va très vite. On lève le guidon, on le bloque, et ensuite on va lever la selle. Voilà, celle qu'on va bloquer. Et c'est parti, voilà pour un vélo monté, paré à faire de la balade. Ces vélos demandent peu d'efforts, vous permet de faire à peu près 30-40 km en autonomie, ça va dépendre des côtes, puisque quand on augmente la puissance du vélo électrique dans les côtes, et bien cela diminue bien sûr l'autonomie. Vous voyez l'insertion de la batterie qui est simple et qui se recharge en 3 heures environ. Voilà pour le deuxième vélo. Et nous voici parés à partir nous balader au bord du lac. Le lac de Sanguinet est magnifique. Nous sommes en février. Il y avait un soleil radieux. Alors comme vous pouvez le voir, les chemins sont boueux. Il y a eu beaucoup d'intempéries et nous avons dû rouler parfois sur quelques dizaines de mètres dans des hauteurs de 10 cm d'eau puisque les pistes cyclables étaient recouvertes. Nous voici maintenant en pose drone. Je vais vous montrer avec ce nouveau drone, j'en ai pas beaucoup l'habitude, c'est la première fois que je fais une sortie avec ce drone dans un endroit surtout qui le permet. Voici le survol du lac de Sanguinet avec bien sûr énormément de pinèdes. C'est le lac que vous voyez au fond. Et la route que vous voyez, le chemin, c'est la piste cyclable sur laquelle nous étions posés. Nos deux vélos ne passent pas inaperçus, c'est vrai quand on passe à côté de gens, les gens sont assez surpris de voir ces petits vélos qui vont très vite. Et là nous voici repartis après cette nuit passée au lac de Sanguinet sur Biscarros au bord de la plage pour aller déjeuner. Vous voyez, il est 13h et commence à faire faim. Tout ça est filmé avec la caméra intégrée au pare-brise qui permet notamment en cas de choc de pouvoir trouver un terrain d'entente. Nous voici donc à Biscarros, posé au bord de la plage, et nous voici partis pour une balade bien agréable avec des vagues assez costauds. Il y avait beaucoup de monde, c'est un dimanche, beaucoup de monde à se promener. Et le temps se prêtait à marcher au bord de l'eau. Voilà pour ce petit week-end qui se termine.
rentrons ensuite à la maison. Nous avons passé une soirée et une journée au bord de l'eau. Et quand on revient de nos petits séjours comme ça, on n'a qu'une envie, c'est de repartir tout de suite. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. À très vite.